Bonjour, aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que j'ai reçue plusieurs fois des gens qui débutent dans le business et qui veulent utiliser Facebook pour avoir une présence en ligne et pour éventuellement avoir une visibilité et attirer plus de gens. Et donc, la question était tout de suite, Gudrun, quelle est la différence entre le profil, entre la page et un groupe? Quand est-ce que j'ai fait quoi et pourquoi j'utilise l'un ou l'autre? Donc, ce n'est pas vraiment compliqué, mais il faut le savoir. Le profil que tu as sur Facebook, c'est un truc qui t'est personnel. Donc, sur le profil, tu vas avoir des amis. Et je te recommande vivement d'avoir ton profil avec ton nom. Parce que moi, je vais donner mon exemple. Je suis professeure de danse orientale. Je fais ça depuis 30 ans. Et en Belgique, avec le nom Gudrun, la plupart des personnes qui font la danse orientale me connaissent. Parce que, voilà, c'était mon nom de danseuse aussi et de professeure. Maintenant, si je me lance dans une nouvelle activité, bah, toutes celles qui me connaissent de mon activité avant vont peut-être dire, ah tiens, je connais Gudrun, j'aimais bien ce qu'elle fait. Hein, ou j'aime pas, mais en tous les cas, leur nom, mon nom leur dit déjà quelque chose. Alors, si j'ai mon profil Facebook avec mon nom, à ce moment-là, tout ce que je fais, si ce sont des amis, ils vont le voir. Si je publie les choses en public, ils peuvent le voir aussi. Et donc, si moi, tout d'un coup, je m'invente un nom de danseuse, donc maintenant, j'ai plein de personnes qui dansent la danse orientale, ils sont connus que sous leur nom de danseuse, ils ont un profil avec ce nom de danseuse. Eh bien, il est évident que si j'utilise un profil avec mon nom de danseuse, mes amis, ils en ont peut-être, et la famille, rien à cirer, peut-être. Hein. Moi, si je parle H24, enfin, à l'époque de danse orientale, à un moment donné, on me disait, écoute, Coudron, tu n'es pas que ça. Donc, je réfléchirais à la chose d'avoir un profil en tant que danseuse. Moi, je ne le recommande absolument pas. Pour moi, le chemin à faire, c'est d'avoir ton profil en tant que personne. Et là, je vais vous le montrer tout simplement. Je vais vous montrer comment ça se passe chez moi. Bien sûr, j'ai appris ça maintenant chez Sigrun, qui nous recommande aussi comment faire. Donc, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait et ça fonctionne pour moi. Bien. Alors, ici, on va partager l'écran. Voilà, je vais vérifier que vous le voyez parce que la dernière fois, j'ai partagé un écran et on ne me voyait pas. Donc, une seconde, je vérifie ça ici sur ma page, sur mon écran numéro 2, où je vois ma page. Voilà. Bien, voyons voir si vous voyez mon écran. Parfait. OK, donc. Ça, c'est mon profil, ok? Donc, tu vois ma tête déjà, hein, une photo de moi, et tu vois si tu es dans mes amis, alors tu vois certaines choses comme plus personnel, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, tout ça, c'est public. Ouais, bah, tu vois qu'il n'y a plus beaucoup de choses très personnelles là-dessus. Voilà, j'ai mis beaucoup de choses en public parce que, au début, quand j'ai créé mon profil, j'étais un peu angoissée, comme tout le monde, enfin, comme plein de gens. On va voir ma vie privée. Et donc, j'ai rien partagé avec personne et personne pouvait me demander en ami, etc. Puis après, je me suis dit, bon, quoi? Qu'est-ce que j'ai vraiment à cacher? Donc, si j'ai des photos de famille où je vais passer Noël en famille, qui a mon frère qui déteste Facebook, ben, je vais pas forcément mettre ça en public, peut-être même pas partager avec tous les amis qu'il y a ici. Vous voyez que j'ai 600 amis. Eh bien, les femmes qui me demandent en amitié, je présume qu'ils ont vu quelque chose sur mon Facebook qui leur plaît. Et je dis toujours oui. Après, moi, je demande pourquoi tu me demandes en ami. Et après, moi, quand je demande en ami quelqu'un, toujours, toujours, je lui dis pourquoi. Parce que je trouve ça, sinon, je trouve ça bizarre. Une amie, pour moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'une manière ou d'une autre des choses en commun et je veux tisser des liens. Donc, ça, donc ici, tu vois le profil, je l'utilise aussi en public. Donc, pour des choses, en dehors de mon activité professionnelle qui est la danse, le féminin sacré, tu vois, ici, je vais partager des choses comme par exemple un spectacle de mon fils, une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je joue au piano, une musique que j'aime, une amie qui fait un cours en allemand en plus, là, mon profil, ben, ma page, mon business qui est en français, je ne vais pas partager des choses en allemand, mais j'ai
j'ai plein d'amis allemandes et allemands. Donc là, tu as une amie qui fait un challenge pour maigrir, bah, je le partage. Et la page, nouvelle page Facebook de mon homme qui a une entreprise générale, bah, je la partage. Mais je ne vais pas mettre ça dans ma page de Chandora, tu vois? Donc, mon profil, il y a des choses que je partage en public parce que je trouve que ce sont des choses que le monde entier doit savoir et tout le monde entier peut voir que je m'y intéresse, hein, comme la fameuse méthode Wim Hof qui je trouve que tout le monde devrait connaître. Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est moi, c'est mon profil, c'est ma personnalité, c'est ma vie et je partage ce que j'ai envie de partager là sur Facebook. Et tu vois très bien que ça n'a rien à voir, ça n'a pas forcément à avoir avec mon business. Je vais appeler ça business ou mon activité de cœur. Donc, maintenant, pour ces activités-là, qui me tiennent à cœur, j'ai plusieurs pages. Voilà, la page Chandora où je publie seulement les choses qui concernent de loin ou de près le féminin sacré et la danse et vraiment tout ce qui tourne autour. La goudron danse, ben ça c'est pour la danse orientale exclusivement. Bon, c'est vrai que parfois je partage des choses un peu autres parce que dans la page, sur la page goudron danse, il y a peut-être des gens, et il y a certainement des personnes qui sont indépendantes et qui sont dans un business et qui doivent réfléchir sur le business. Et là, je leur recommande Sigrun, qui n'a rien à voir avec la danse orientale. Mais c'est un peu, il y a quand même un lien. Après, tu as Swing and Smooth et From Passion to Business. Ça, c'est ma page pour justement parler que de tout ce qui concerne mes porteuses de projets. Donc, on va aller ici. Donc, ici, tu as ma page de page Chandora avec la méthode que j'ai créée pour le féminin sacré. Et donc, qu'est-ce que je fais ici dessus? Ici, tu peux trouver, donc si tu vas à gauche, tu trouves les services que j'offre, tu trouves mes différentes offres, tu peux faire un appointment, donc un rendez-vous. Il y a plein de choses. Il y a mon site web qui est lié à cette page. La communauté, bah, ce sont mes groupes qui dépendent de cette page. Donc, ici, je vais partager les cours que je donne, les stages que je donne, les activités en ligne. Ici, comme tu vois, voilà un truc un peu hybride. J'ai partagé quand même le stage avec Sigrun parce que, comme j'ai dit, même sur cette page, je sais qu'il y a des porteuses de projets. Quand les femmes travaillent avec moi, elles deviennent peut-être porteuses de projets. Donc, ça les intéresse. Donc, je donne cette information, mais j'essaie de pas exagérer parce que les gens, sinon, vont se dire, bah, cette page ne parle que de business, pas intéressant pour moi. Ils sont là pour le féminin sacré. Tu vois, je partage ici aussi mes emails. Mailchimp, ici, voilà. Attends, je vais te montrer ça. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Où est-ce qu'il y a un Mailchimp? On peut le voir. Donc, un mailing que j'envoie via Mailchimp, je peux le partager avec ma page. Je cherche. Je fais pas ça. Ouais, tu vois ici j'ai mis mon chat, trop mignon mon chat quand même. Mais je sais que les gens ils adorent voir le chat. Bon bah écoute, je trouve pas ici tout de suite. Tu vois que je fais pas ça tous les jours non plus. Donc la page, quel avantage elle a à part de tout ce que je t'ai déjà dit, c'est que tu peux faire la publicité sur cette page, sur ton profil. Tu ne peux pas faire la publicité. Tu vois ici par exemple, je joue au piano. Je pourrais dire je vais booster cette publicité, publication. Booster, ça veut dire que pour le moment il y a 126 personnes qui ont vu cette vidéo. Eh ben, celle-là, évidemment, je vais pas la booster, ça n'a aucun intérêt. Mais ici, il y en a d'autres, même le chat, évidemment. Ça, c'est un truc rigolo que j'ai fait. Si ici, je voulais booster ça parce que ça aurait un intérêt, je peux pousser sur booster la publication et donc faire en sorte que d'autres personnes puissent recevoir ce post dans leur fil d'actualité et le voir. Donc, des personnes, et là, je peux cibler. J'ai fait une vidéo sur les publicités sur Facebook. Ça, tu peux voir comment on fait. Donc, ça, je ne vais pas le réexpliquer ici, mais l'intéressant est si j'ai déjà fait un post et que je voudrais le montrer à tous les gens qui me suivent sur, tu vois, ici, j'ai 700 et des likes sur ma page
et 757 abonnés. Donc, si je voudrais que ces gens-là voient quand même mon post, parce qu'ils n'ont pas été voir, forcément, toi non plus, tu ne vas pas aller voir tous les jours sur les pages, sauf celles qui te tiennent vraiment très, très, très fort à cœur. Donc, ce qui est un fait, c'est que je pourrais donc essayer de montrer ça à ces personnes-là. Oui. Donc, ça, c'est l'avantage et la différence entre ton profil et la page. Tu as vu que moi, j'ai plusieurs choses que je fais. Je les sépare un peu quand même. Je ne veux pas mettre tout dans la même page, sinon cette page n'a plus aucun intérêt. Parce que les gens qui viennent à ta page s'intéressent à ce que tu fais, mais pas si tu fais trop de choses différentes, ça ne les intéresse franchement pas. Donc là, fais plusieurs pages et puis, moi, il y a des pages que je vais franchement laisser tomber. Tu as peut-être vu tout à l'heure, il y a le club nautique. Oui, je suis dans un club nautique et je fais une page du club nautique en bénévolat comme ça. J'y mets pas beaucoup d'énergie, mais c'est tellement pratique. Et avec une page, ce que tu as aussi, tu peux décider qu'il y a toi comme administrateur et aussi quelqu'un d'autre qui peut faire cette page, gérer cette page avec toi. Et donc, maintenant, on va venir à l'intérêt du groupe. Donc, ici, on va regarder mes groupes. Internet étant super rapide, ne me montre pas les groupes. OK, pourquoi pas. Communauté, peut-être. Ne me montre pas mes groupes. Là, je vais les voir autrement. Groupe. Voilà, ben là on voit tous les groupes, pas seulement les miens, ça ce sont mes favoris de groupe. Un groupe que j'ai, c'est Chandra Rapporteuse de projet, parce que comme j'ai expliqué, beaucoup de femmes deviennent créatives et ont beaucoup de confiance en elles, elles veulent tout d'un coup se lancer, et j'ai fait un groupe pour cela. Pourquoi? J'explique après. J'ai un autre groupe, les 5 jours pour la confiance en soi. C'est un challenge que j'ai fait, un mini cours de 5 jours, et j'ai mis tout le monde dans un groupe. Puis, il y a la magie d'être une femme, ça c'est un groupe payant dans lequel se déroule et on échange concernant le cours La magie d'être une femme. Donc, ça te permet de créer des communautés et d'avoir un espace protégé. Tu peux avoir des groupes fermés, secrets, carrément, et des groupes publics. Tu peux avoir un groupe, là, entre une page et un groupe public, il n'y a pas vraiment une énorme différence. Avec la seule différence étant, donc si c'est un groupe public, tout le monde peut voir tout ce qui se passe dans ce groupe. Mais s'il ne fait pas partie du groupe, il ne peut pas publier. Donc, tu peux peut-être cibler un peu mieux l'intérêt de la chose. Donc, si on va aller voir ici, par exemple, quel groupe on pourrait aller voir, celui-ci. Voilà. Donc, ça, c'était pour un mini-cours de 5 jours que j'ai fait. Et dans un groupe, attention, comme le groupe est fermé, tu vois ici mon groupe, là tu le vois là, il est fermé. Eh bien, c'est un peu, ça permet aux personnes d'être dans un cercle sécurisé, je dirais, pour s'exprimer. Donc, je ne vais pas te montrer ici ce qu'on a échangé dans ce groupe, mais tu as, et alors regarde ça ici à droite, tu as moyen de faire des onglets dans ce groupe. Et là, alors ici, tu peux, si je fais un sondage, tu peux cliquer là et tu tombes tout de suite dans tous les sondages. Ou bien alors, si tu as les conclusions, donc tu peux trouver tous les posts tagués avec conclusion. Et donc, un groupe te permet de faire pas mal de choses par rapport à une page. Et pourquoi est-ce qu'on va faire un groupe? Attention, la logique. Donc, le profil, c'est toi en tant que personne et c'est intéressant d'exister sur Facebook pour te montrer avec ta vie, parce que les gens travaillent avec toi parce qu'ils t'apprécient toi, parce que tu es toi tel que tu es. La page pour ton activité, pour vraiment en parler, pouvoir faire de la publicité aussi. Sur une page, ce que tu fais, c'est toujours public. Donc, ça veut dire que les gens peuvent toujours le partager. Super intéressant. Si dans ton profil, moi, parfois, dans le profil, je partage un truc avec mes amis, peut-être que c'est une information pour un événement que j'organise, mais ils ne peuvent pas le partager parce que ça doit déjà être mes amis qui le voient et pas les leurs. Donc, c'est intéressant. Dans un groupe de nouveaux, quand tu partages quelque chose, ça ne peut pas être partagé en dehors du groupe. Donc, tu as cet environnement fermé. Tu peux choisir d'avoir un groupe secret. Le groupe secret, ce serait alors plutôt pour des sujets
ou tu ne voudrais pas qu'on voit que tu es dans ce groupe. Par exemple, j'ai fait l'année dernière un cours sur le money mindset. Comment il s'appelait? C'est Marjorie qui a fait ce cours magnifique, je le recommande, extraordinaire. Et parce que beaucoup de femmes, moi y inclus, ont des problèmes avec l'argent dans le sens de se dire, ah, je me sens mal si je te demande de l'argent, je me sens mal. Et elle a fait un cours sur ça et elle a fait un groupe secret. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas me cacher que je dois encore apprendre à avoir une relation saine avec l'argent. Et elle a dit, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas qu'on sache, parce que ça fait tout de suite, je veux être riche, je veux être arnaquer les gens, ou je veux demander de l'argent, etc., etc. Donc, tu vois, un groupe secret peut avoir cette sécurité que tu offres à ta communauté de dire, écoute, personne ne va savoir que tu fais partie de ce groupe. Ça peut être tout un tas d'autres sujets. Donc, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je réfléchis, je crois que non. Je ne sais pas si quelqu'un voit ici ma vidéo et qui me pose des questions. Ah, je ne peux pas le voir en direct. Donc, si tu as des questions à ce propos, si j'ai oublié de mentionner quelque chose, tu peux me le poser dans le post ici en dessous et j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Et si tu veux rejoindre mon groupe où je suis très active pour le moment, porteuse de projet, tu peux, c'est avec grand plaisir. Ah oui, là me vient encore quelque chose que je veux dire. Donc, c'est bien que je l'ai mentionné. Dans le groupe porteuse de projet, c'est quelque chose que je fais vraiment très, très ponctuellement. C'est pas mon business. C'est juste parce que je veux aider les femmes qui ont travaillé avec moi et toutes les femmes, en fait, qui veulent se lancer avec ce que je sais et ce que j'ai appris chez Sigrun. Et je fais ça en janvier, au début de l'année, parce qu'au début de l'année, c'est très bien de commencer à planifier les choses. Et je fais ça ensemble avec ma coach Sigrun. Et de nouveau en septembre aussi, parce que le programme de Sigrun Samba, il s'ouvre toujours en janvier et en septembre. Et moi, comme je suis méga fan, bah, je le recommande. Et en plus, j'utilise cette énergie-là, cette synergie qu'on a. C'est vraiment très. Moi, je le sens très, très fort. Ça m'aide énormément à me donner plein d'énergie pour faire des vidéos comme maintenant, pour vraiment aider ma petite communauté. Et ce qui se passe, c'est qu'un groupe peut être temporaire. Moi, je le dis aussi. Quand c'est fini, donc là, le 27 janvier, moi, je passe à autre chose. Je passe toute mon énergie là maintenant. Beaucoup, beaucoup. Hier, on a eu un call jusqu'à 23 heures à travailler sur le workshop de Sigrun. Je donne mon énergie avec grand plaisir parce que je veux aider les personnes. Et ce groupe-là étant gratuit, bien sûr, toute cette activité, elle est gratuite. Mais j'ai dit, le 27, je passe à autre chose. Vous restez dans le groupe. Vous pouvez continuer à vous échanger. J'irai certainement voir parce que je tiens à vous que vous êtes dans mon groupe, mais je ne vais pas pouvoir investir en plus gratuitement mon temps. Il faut quand même que je gagne de l'argent pour vivre. Donc, ça, c'est la facilité le truc que tu peux faire avec le groupe. Tu peux avoir des groupes payants, comme le cours que j'ai tenu en novembre, La magie d'être une femme, un cours sur un mois. Ce groupe, le groupe Facebook n'était pas payant, mais le cours était payant. Donc, pour aller dans le groupe, tu devais acheter le cours. Et ce cours étant fini, la même chose, le groupe reste actif ou reste ouvert. Toutes les personnes, et parfois je vois des femmes qui partagent encore des choses, mais l'énergie, c'est une histoire d'énergie. Si moi, je ne suis pas là, présente, cette énergie retombe. Et c'est comme ça, comme tout avec dans la vie. Ouais, tu as toujours un professeur qui donne le cours. Quand le professeur n'est pas là, cette énergie n'y est pas. Et donc, tu peux utiliser les groupes comme ça, temporairement, avoir un cours payant. C'est super facile d'avoir une communauté sur Facebook et tu peux même archiver temporairement un groupe si tu ne veux plus du tout qu'il y ait encore des activités. C'est une décision intéressante à prendre parce que quand un processus est clôturé, comme par exemple, je vous explique, j'ai donné un cours les 12 nuits d'Iyul pour la fin de l'année. Et cette énergie est vraiment limitée à ces 12 nuits. Je sais que les participants, ils sont toujours un peu tristes quand c'est fini. Mais quand quelque chose est clôturé, pour moi, les 12 nuits de Yule, ça se finit le jour des Rois Mages et ça va recommencer le 24 décembre. Et entre-temps, il n'y a pas d'énergie à avoir dans ce groupe. Il n'y a pas d'échange à avoir dans ce groupe. Toujours quand je finis un groupe, je donne toujours, toujours, et ça je le recommande, des conseils. Ce que les personnes peuvent faire après.
Donc, quand je peux offrir mon aide, je le fais. Jamais laisser tomber ta communauté et dire « Ok, je suis partie, fini, débrouillez-vous. » Jamais faire ça. Ça, c'est dur, ça. Moi, au début, j'ai fait ça. Ok, je fais ça, fini. Non, je ne le fais plus. Vraiment, ça, c'est dur. J'aime les personnes qui sont dans ma communauté et toujours leur offrir un moyen d'aller plus loin. Donc, soit tu leur offres une petite séquence des choses où tu leur expliques maintenant le programme ou ce que nous avons fait, c'est fini. Mais si tu veux continuer tout seul, tu fais ça et ça et ça et ça. Tu leur donnes, tu le sais quand même quand tu fais le groupe ce qu'il faut faire pour avancer. Tu leur donnes un mois de pas, quelque chose à mettre en œuvre. Et bien sûr aussi, tu leur montres la possibilité de continuer, pas seul, mais avec l'aide avec quelqu'un. Donc, quand c'est avec moi, évidemment, après, je vais dire, si tu veux travailler avec moi, la possibilité, elle est là et tu peux t'engager avec moi. Dans le cas tout actuel de Portus de projet, moi, non, je vais donc relayer ce travail avec une personne à Sigrun. Donc, toutes celles qui sont dans ce groupe, je vais leur dire, voilà, moi, ce n'est pas mon business d'être business coach. Je pense que je sais ce que je sais, mais ce n'est pas mon business. Donc, je ne veux pas le faire. Moi, je veux danser et je veux aider les femmes à se connecter au féminin sacré. Ça, c'est mon cœur qui va là-dedans et c'est ça que je veux faire. Donc, je ne vais pas mettre toute mon énergie dans un autre domaine pour ne pas m'éparpiller. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ok, je crois que j'ai fait largement le tour du sujet. Hop, on va revenir à moi ici. J'aurais pu déjà vous montrer de nouveau mon visage avant. Donc, je pense que j'ai fait largement le tour de la question. Si tu as des questions, tu les poses ici dans les commentaires ou dans le groupe Porteuse de projet si tu fais partie de ce groupe. Tu vois ici aussi, cette vidéo, elle se trouve sur ma page « From Passion to Business ». Et c'est une page que j'ai créée donc rien que pour parler du business. Donc, tu vois que là, c'est déjà logique comment je le fais parce que je voulais pas embêter dans le sens de ne pas inonder les personnes qui s'intéressent au féminin sacré avec des contenus comme celle-ci, comme ceci. Un contenu. Oui, donc voilà, ça tient la route, je pense que c'est logique et ça, en fait, ça fonctionne comme ça. Il m'a fallu du temps l'année dernière de me décider à m'éloigner de ma page Shandora parce que toutes les personnes qui voient mes vidéos ici et qui viennent dans ma page, tu vois, j'ai 50 personnes pour le moment qui regardent cette page. Tu vois, c'est à construire à l'heure du coup, hein. Mais c'est une décision à prendre pour préserver les personnes qui me suivent pour une raison bien spécifique. Donc, même chose pour le groupe. Est-ce que ça fait un sens de faire un groupe quand il est tout petit et de n'avoir que 5 personnes ou quelque chose? Pour moi, oui. L'énergie que je donne est la même que j'ai 5 personnes ou que j'ai 500 personnes. Oui, si j'ai 500 personnes, je dois pouvoir passer beaucoup plus de temps à lire les commentaires, c'est évident. Mais mon intention, elle est la même. Et donc, c'est une réflexion à avoir. Bien, je m'arrête ici. Je ne voulais jamais faire ça aussi long. Je te souhaite une très belle journée. Si tu as des questions, contacte-moi et j'y réponds avec grand plaisir. Bye bye.